Donc, je vous invite à poser des questions si vous en avez ou à faire des remarques. Oui. Moi, j'ai une question sur les exemples qu'on nous donne. Par exemple, je trouve qu'on nous parle beaucoup d'une façon d'envisager les choses qui est un peu moyenâgeuse, si je peux dire. Mais, par exemple, on nous parle d'Élisabeth de la Trinité qui a merveilleusement souffert pendant les dernières années de sa vie. Ou la petite Thérèse aussi qui était dans la souffrance, etc. Donc il y a toujours cette notion de souffrance, de difficulté, de mise à part. Et ça présente un peu la spiritualité comme quelque chose de tout à fait particulier, réservé à une sorte d'élite qui souffre en silence. Et oui. Ça me dérange un petit peu, quoi. D'accord. Parce que la spiritualité, c'est pas plus alors, ouvert que ça. Si j'essaie de reformuler votre question... En gros, on peut dire que la spiritualité de la souffrance serait un peu, je dirais pas passer de mode, mais disons que... C'est pas très attractif, en tout cas. C'est pas attractif et ça reflète une époque plus ancienne. C'est ça, hein. Oui, alors je sais pas, est-ce qu'un des frères vous répond à ça? Jean-Marie Alpoc qui a donné les conférences. Alors, ça tombe bien parce que j'avais assisté à une conférence de Fabrice Adjadj sur le sujet à Toulouse et il parlait de la résurrection au quotidien et il dénonçait notamment un certain dolorisme du christianisme à une certaine époque où effectivement on était dans l'idée que voilà, on s'auto-flagellait, j'ai envie de dire, et après pour quelque part. Acheter le royaume des cieux quelque part et se retrouver devant Dieu avec ses plaies, ses souffrances et d'être dans une sorte de dolorisme et c'est un relent aussi du jansénisme qui a une notion de Dieu qui est celle d'un Dieu juge c'est notamment ça a été encore le cas au temps de la petite Thérèse, vous savez qu'elle a ouvert la voie de la petite enfance en nous présentant vraiment le visage de Dieu comme un Dieu d'amour et de miséricorde et non pas un Dieu juge auquel, si vous voulez, on se livrait à l'époque à la sainte justice de Dieu. Et d'ailleurs, une sœur ancienne a reproché un jour à la petite Thérèse, elle lui a dit « mais vous parlez toujours de miséricorde et que faites-vous de la justice ? » Et la petite Thérèse lui a dit « si vous voulez la justice, ma sœur, vous l'aurez. » Et après sa mort, elle a eu un songe et elle a vu cette sœur-là en purgatoire. Donc vous voyez, pour revenir à ce que disait Fabrice Adjadj sur la résurrection au quotidien, il disait justement il ne faut pas faire de clivage en disant La vie éternelle, c'est pour après, et ici-bas, on souffre. Oui. Il y a, en fait, la vie éternelle commence déjà dès ici-bas. Donc, c'est pour ça que le titre de sa conférence, c'était la résurrection au quotidien. Parce que, pas à pas, en fait, on entre dans la vie éternelle dès ici-bas. On a un pied dans cette vie et un pied dans l'autre. Donc, il ne s'agit pas de... rester dans une pensée douloureuse, à se morfondre, à rester enfermé. C'est, je vous l'avais dit un peu, c'est la définition simple de l'enfer, c'est un lieu où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas d'ouverture, où on est fermé sur soi. Donc attention, la souffrance, elle a, je n'ai pas le rôle de la souffrance, elle a un grand prix, mais la souffrance en elle-même, est odieuse de toute manière et on ne doit pas rechercher la souffrance pour elle-même mais lorsqu'elle vient, eh bien, il faut l'orienter comme toute chose vers Dieu et le Christ lui-même a souffert les pires outrages et il est le saint par excellence, on le traitait d'ivrogne parce qu'il était avec les publicains et les pécheurs et cette souffrance, elle doit être toujours reliée au Christ qui lui a tout porté pour nous. Et en dehors de ça, la souffrance n'a pas de sens. On ne souffre pas pour souffrir, mais on souffre pour être lié
les uns aux autres, d'être dans la compassion, parce que c'est le mot, compassion, c'est souffrir avec, souffrir avec l'autre, et voilà, ça nous fait éprouver la souffrance que nous sommes des êtres de chair, des êtres vivants. J'espère que j'ai répondu à la question. Te laisser. Peut-être juste rajouter, donc, comment ça se fait qu'on en soit encore à parler de ça, hein? Et c'est pas très attirant en effet. Le problème, c'est que malheureusement, à notre époque, la souffrance n'a pas disparu. Et donc, c'est toujours le même scandale. Et on est toujours affronté devant la souffrance à cette même difficulté. Comment vivre cette souffrance dans la joie, dans la foi, non? Et ça paraît impossible. Donc, c'est pour ça que ces petites saintes, qui ne sont pas moyenâgeuses, qui sont du 19e, hein, nous enseigne quand même qu'on peut, devant ce scandale de la souffrance, avoir une révélation de l'amour de Dieu, parce qu'on peut se découvrir, donc par grâce, capable d'aimer Dieu au cœur même de cette souffrance. Et c'est au cœur de cette souffrance qu'elles ont découvert, l'une comme l'autre, combien l'amour de Dieu était grand. Alors que tout les aurait poussés naturellement en fait à se détourner de Dieu. Je connais beaucoup de cas, surtout de jeunes, des adolescents, qui ayant vécu un décès de quelqu'un de cher, dont ils avaient demandé la guérison, se sont détournés de Dieu en pensant que Dieu se détournait d'elle. Et donc il y a un vrai scandale devant la souffrance et devant la mort, et je crois que ces saintes-là nous disent quelque chose qui est toujours d'actualité, hein, c'est que Dieu est présent au cœur même de cette souffrance. Non pas comme celui qui l'impose ou qui l'exige, mais comme celui qui l'a subi le premier. C'est-à-dire que le Père nous a envoyé son Fils, et ce Fils est venu souffrir, non pas à notre place, parce que ça voudrait dire qu'on ne souffrira plus du tout, mais il est venu souffrir pour nous et avec nous. Et il porte nos souffrances. C'est pour ça que quand même, on ne pourra jamais évacuer le langage de la souffrance, de la foi, parce que, je dirais, contrairement d'une certaine manière aux bouddhistes qui pensent pouvoir éliminer la souffrance en éliminant tout attachement, et en particulier tout amour. 95% des souffrances, me semble-t-il, sont dues au fait qu'on aime. Si je n'aimais pas la personne qui me dit une parole désagréable, je me tournerais de l'autre côté et j'irais trouver quelqu'un d'autre. Je ne souffrirais pas. Et pourtant, la moindre parole qui semble me désavouer d'une personne que j'aime, me fait souffrir atrocement. Oui. Voilà, c'est l'amour qui fait qu'il y a de la souffrance, bien souvent. On pourrait même dire, cette image, hein, que les deux ailes de l'amour sont la joie et la souffrance. Il n'y a pas d'amour sans joie, et il ne peut pas y avoir d'amour sans souffrance, parce que dès qu'on aime, on a déjà ce tourment de dire, et si l'amour disparaissait? Oui. Parce que dans l'amour, il y a plus que la personne qu'on aime encore dans l'amour. Il y a l'amour lui-même, et qui finalement est Dieu en personne, présent là, entre deux êtres. Donc je crois que la souffrance a un sens beaucoup plus profond que ce qu'on peut croire. Ce n'est pas attirant en soi-même, mais en réalité, c'est parce que l'amour nous attire, que la souffrance toujours va nous fasciner et nous rejoindre. Parce qu'on ne peut pas aimer de manière pleine et entière sans en être crucifié. Je crois. Hein. Donc, il y a quand même un sujet de la souffrance qui, lui, ne sera jamais évacué. Il sera toujours d'actualité parce qu'il y aura toujours de l'amour. Sans compter toutes les souffrances qu'on ne peut pas éviter, qui viennent par des catastrophes ou par toutes sortes de choses, des événements qui arrivent. Voilà. Est-ce que tout ça répond un petit peu à votre question ? Oui, ça met le moulin. Oui. Vous pensez qu'on ne devrait pas trop parler de ça? Comme vous en parlez, ça prend déjà une autre dimension. Relier la souffrance à l'amour, que l'amour en lui-même est une souffrance, ben oui, bien sûr. Mm-hmm. Mais il faudrait développer. Il faudrait toujours commencer par l'amour, tout simplement. Et puis après, voir comment, justement, on le fait, ça. Ça engendre une certaine souffrance. Mais qui n'est pas séparable de la joie. Hein. C'est ça aussi. On ne voit pas trop le Christ en croix, hein, ce qu'on ne voit pas sur son visage. Parce qu'on le voit de l'extérieur.
on voit quelqu'un qui souffre atrocement. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est cette joie qu'il a d'être enfin arrivé à son heure. C'est là qu'il sauve le monde. Il dit à un moment donné, hein, juste avant, hein, c'est pour cette heure-là que je suis venu. Oui, il est venu pour ça. On pourrait comparer ça, à toute proportion gardée, à un travail qu'on effectue qui va être extrêmement utile. Mais il y a des travaux qui sont extrêmement pénibles aussi. Et plus il sera pénible, ce travail-là, et plus on aura de joie de le faire, parce qu'il va être utile. Vous voyez, donc, le sens que ça va avoir va donner une joie bien plus grande, alors même qu'on va souffrir. On peut se faire souffrir en travaillant, dans les travaux pénibles, plus que n'importe qui est malade, par exemple. Le corps peut souffrir de manière... C'est-à-dire, si on imposait ça de manière subie à quelqu'un, ça serait insupportable. Mais comme la personne se l'impose elle-même et qu'elle voit le sens que ça a, ça devient une source plus de joie que de souffrance. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la souffrance, c'est souvent un travail de l'âme aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens, hein, il y a quelqu'un ici qui pourra confirmer, deux personnes, l'association Relais Lumière Espérance. Donc, c'est des parents de malades psychiques. Qui ont été amenés à être témoins et à subir des souffrances très grandes. Et bien une fois, on s'était réunis ici, et tous, unanimement, ont dit que ça les avait fait beaucoup grandir. Et en effet, je vois que ça les a presque tous disposés vraiment à un chemin de vie spirituelle. Et je vois rarement des gens qui avancent dans la vie spirituelle et qui n'ont pas vécu quand même avant quelques souffrances. C'est assez rare. Je crois vraiment que la souffrance est aussi un travail de l'âme. Et si on l'accepte comme tel, c'est-à-dire si on l'accueille comme quelque chose qui peut être bon pour nous faire grandir, d'un seul coup, ça prend une autre dimension et voilà, ce n'est plus du tout quelque chose qu'on va faire pour se faire mal. Vous voyez, c'est pas du masochisme. Ça n'a rien à voir avec ça. On ne s'arrête pas à la souffrance, on voit ce qu'il y a au-delà. Voilà, c'est ça. Exactement comme un travail. Celui qui verrait que le fait qu'il faut se lever le matin et qu'il faut faire des heures, etc. Mais oui, mais si le travail est utile et qu'on lui donne du sens, il n'y a pas de plus grande joie pour quelqu'un que d'avoir un travail. Vous voyez, il y a une analogie qu'on peut faire qui est assez pertinente, me semble-t-il. Voilà. Je vous invite à, si vous le pouvez, à envisager les choses sous cet angle-là et de voir un petit peu si, voilà, si ça peut peut-être même vous aider à accompagner des personnes qui souffrent, éventuellement. Mais ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas. Donc toujours pareil sur ce même sujet de la souffrance. Oui, c'est la pierre d'achoppement. Ceux qui ne croient pas, ils disent que ce n'est pas possible qu'un Dieu bon permette des choses pareilles. Bon, je reprendrai ce thème, c'est un thème très délicat, la souffrance. Je pense, comme je vous ai dit, compassion. Souffrir avec, si une personne ne croit pas en Dieu, bah, il ne faut surtout pas lui dire, par exemple, si vous avez une personne qui souffre à l'hôpital, lui dire ben, Dieu t'aime ou il souffre avec toi, parce qu'en fait, c'est des choses qui ne sont pas entendables. Je le sais par expérience. Mais en fait, il faut être avec la personne. Je connais un prêtre, il disait ne parlez de Dieu que si l'on vous interroge. Et vivez de telle manière qu'on ne puisse pas penser que Dieu n'existe pas. Il y a le mystère, il y a un mystère derrière la souffrance. Et, il y a certaines questions qui restent en suspens et c'est nécessaire. Donc la souffrance, on ne peut pas prétendre tout savoir sur le sujet, même si certaines personnes ont vécu des choses très dures. Tout ce qu'on peut faire, c'est être avec la personne. Et c'est le plus beau des cadeaux, en fait. Parce que moi, je me souviens, j'étais à l'hôpital une fois, j'étais sur le point d'y passer, et un claritain est venu me voir,
Et il était là simplement. Parce que j'étais trop épuisé pour entendre des leçons de morale ou quoi que ce soit d'autre. Ou qu'on me parle de la souffrance sous l'angle de l'amour ou qu'il faut offrir ça, j'aurais pas pu l'entendre. Parce que au fond de moi, je le savais, mais j'en avais pas besoin. J'avais besoin que l'autre soit là pour moi. Et ça, c'est essentiel. Être auprès des autres. Et c'est là que vous apporterez Dieu à celui qui ne croit pas, c'est en étant vous-même avec lui, dans le Christ. C'est le seul moyen. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions par rapport à ce qui a été dit? Souvenez-vous des autres intervenants. Alors, les autres interventions sur le combat spirituel, la sécheresse, sur la vie contemplative. Si vous avez des questions sur notre genre de vie. Oui. J'ai trouvé qu'on parlait peut-être un peu trop de la sécheresse. On en a parlé un peu, beaucoup. On aurait pu faire plus court et parler, par exemple, parler de la Vierge Marie. J'ai eu peur que ça dégoûte certaines personnes plus que ça fasse du bien. Voilà, c'était juste... Je suis entièrement de votre avis. Tu peux redire la question pour vous. Oui, alors la question c'est qu'on aurait pu parler moins de sécheresse et de combat spirituel et peut-être un peu plus aussi de la Vierge Marie, effectivement. Moi-même, je l'ai vu, j'ai évoqué rapidement la Vierge Marie dans... Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout évoquer. Et c'est vrai qu'on a eu quand même... Il y a eu deux intervenants sur le combat spirituel de la sécheresse. Et j'en ai remis une couche avec Adam et Ève. Mais c'était une mise en situation. Effectivement, la Vierge Marie, ça manquait. C'est vrai que j'aurais aimé aussi en parler. Parce que quand on voit par exemple la Vierge à Cana... sa prière d'intercession, il faut voir un peu le contexte. Le Christ a été baptisé, il est resté 40 jours au désert et il est invité à un mariage et il n'y a plus de vin. Et c'est le déshonneur pour une famille, si ça vient de se savoir. Et là, qu'est-ce que dit la Vierge? Elle dit, elle va voir son fils et elle lui dit tout simplement, ils n'ont plus de vin. Elle ne lui dit pas, mais il manque du vin, il faut que tu fasses quelque chose, tu es le Fils de Dieu, fais un miracle. Non, ils n'ont plus le vin. Et la puissance d'intercession de la Vierge Marie, on aurait pu souligner bien des choses. Et voilà. Bon, après, c'est bien, n'hésitez pas à me dire ce genre de choses, ça nous permet d'évoluer après pour les sessions, pour les années suivantes, parce que la prière et désert, c'est chaque année. Donc je vais peut-être laisser la parole à Bruno Marie qui n'a pas encore parlé, si vous veut évoquer, donner des idées. Non, c'est bien que vous fassiez ce genre de remarques. S'il y en a d'autres, allez-y, n'hésitez pas, parce que ça permet d'ajuster les conférences. La place de Saint-Joseph, peut-être, à ce moment-là, puisqu'on parle de Marie. La place de Saint-Joseph. De Saint-Joseph, vous voulez qu'on parle de Saint-Joseph? Bah, deux mots. Je ne sais pas, on n'en a pas... Oui. Pas dit grand-chose. Dans l'oraison, sur l'oraison. Dans la vie spirituelle. En général. Il nous a dit qu'il était maître d'oraison. Mais c'est tout. Ça aurait été intéressant d'en avoir plus. Oui, parler de Saint-Joseph, ça ferait le thème d'une retraite. Parler de la Vierge Marie, c'est plusieurs retraites. Donc, je ne peux pas tout parler, tout évoquer. C'est certain que, bon, là, c'est une initiation à l'oraison. On vous donne un peu de goût à l'oraison. Mais on ne peut pas aborder tous les thèmes. Mais c'est bien que ça éveille en vous des thèmes. Voilà. J'ai le désir après de l'évoquer. En quoi
Saint Joseph était-il maître de raison? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je ne sais pas qui vous a dit ça dans le dans raison. C'est le prieur. Le prieur. Déjà, il avait Jean Gabriel, je crois. Oui, c'est ça. Oui, Jean Gabriel. Intercédant pour Sainte Thérèse. Saint Joseph, il agit dans l'oraison et Sainte Thérèse s'est beaucoup confié à lui dans la fondation de Saint Joseph Villa. Et c'est en cela qu'il est un peu maître d'oraison, hein, parce que Sainte Thérèse l'a pris comme protecteur. Voilà. Je pense qu'il est très lié à la Vierge Marie, donc c'est surtout la Vierge Marie qui le thème est, voilà, est plus évident. Une des caractéristiques de Saint Joseph, c'est que c'est quand même un personnage qui, dans l'Évangile, ne dit pas un seul mot. Il a donné le nom à Jésus. Mais il ne dit pas un seul mot dans l'Évangile. Et il ne dit rien, mais il agit. Et il écoute. Tenez, il croit. Il entend quelque chose en songe. Et immédiatement, il agit. Voilà. Donc, il y a quelque chose quand même qui relie ça à l'oraison. C'est que l'oraison ne peut pas être un simple discours. C'est pas un cœur à cœur avec Dieu dans le sens... Je vais trouver celui que j'aime et je parle avec lui. C'est pas uniquement ça, hein. C'est vraiment c'est toute une vie. Je sors de l'oraison et j'agis. Et j'agis un peu dans le sens de ce qu'on a dit ce matin, hein. Mais c'est extrêmement concret. Ce qui peut caractériser Saint Joseph, je crois, c'est justement ce côté extrêmement concret de l'action. À tel point qu'il a même de l'humour, hein, Saint Joseph. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de certaines histoires. Je vais vous en citer une, parce que ça, une image comme ça peut vous alerter sur ce que la prière peut avoir d'efficace. Oui. C'est des sœurs qui avaient demandé un âne à Saint-Joseph. Oui. Elles avaient glissé une image de l'âne sous la statue, et puis le lendemain même, quelqu'un vient frapper à la porte. Alors l'histoire n'est peut-être pas exactement juste, hein, parce que moi j'ai retenu en gros. Quelqu'un vient frapper à la porte et dit « Est-ce que vous voulez pas un âne ?» Oui, l'âne est arrivé presque immédiatement. Et puis elles ont pris l'âne, bien sûr, avec joie. Elles ont voulu faire un remerciement à Saint-Joseph. Bon, il y avait juste un petit truc bizarre, c'est que cet âne n'avait pas de queue. Et puis en enlevant l'image sous la statue, la sœur avait oublié de faire la queue de l'âne. Vous voyez, une anecdote qui a l'air un peu... Mais j'ai entendu plusieurs histoires de Saint-Joseph qui sont de cet ordre-là. C'est à la fois de l'humour et en même temps une sorte de... Vous avez demandé ça, vous avez eu ça. Voilà. Donc n'ayez pas peur, et Sainte Thérèse d'Avila ne dirait pas autre chose, hein. N'ayez pas peur de demander. Voilà. À Saint-Joseph, on peut tout lui demander. Personne ne peut dire qu'il a demandé quelque chose et qu'il n'a pas été exaucé. Hein. Comme on le dit de la Vierge Marie, on le dit aussi de Saint-Joseph de la même manière. Et vraiment sur tous les sujets. Parce que justement, on n'a pas peur de l'invoquer pour des choses très matérielles. Qui font aussi partie de la vie spirituelle parce que dès qu'on est tourmenté par un souci matériel, on est tenté de se détourner de la confiance en Dieu. C'est pour ça que ce matin, je vous ai juste un petit peu parlé de Saint-Joseph en l'associant à la providence divine. Donc, croire en la providence divine, avoir une confiance indéfectible en cette providence, c'est synonyme, finalement, de s'adresser à Saint-Joseph. C'est concrètement, vous voyez, c'est ce qu'a fait la Vierge Marie. Quand elle avait besoin de quelque chose, et elle n'allait pas s'adresser, elle n'allait pas au temple pour demander quelque chose au Seigneur, elle demandait à Saint-Joseph. Vous voyez, y compris Jésus quand il était petit. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est très fort, hein, c'est à la fois symbolique et en même temps très concret. Finalement, comme toute la vie spirituelle. Voilà, c'est simplement une porte, hein, d'entrée sur tout un aspect. Et donc dans un silence, voilà, comme vous avez pu le vivre quand même un petit peu,
pendant cette semaine, et de voir comment, vous voyez, dans ce silence, il me semblait à midi, là, que vous vous connaissiez mieux que si vous aviez discuté dès le premier jour. Donc ça, ça doit être éloquent, ça. Et j'ai remarqué plusieurs fois. Particulièrement, plus il y a de silence dans la retraite, et plus les personnes en partant se connaissent. C'est surprenant. Hein. Donc là, ça ouvre aussi à toute la communion des saints. C'est-à-dire que nous communiquons avec tous les autres, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin. Et donc l'intercession de Saint-Joseph, de la Vierge Marie, à ce titre-là, est extrêmement éloquente aussi. Et donc c'est tous les saints. Hein. Chacun peut avoir son saint de prédilection. Hein. D'autres choses ? Je vais avancer le micro comme ça. Attention. Moi, je voulais savoir le lien entre l'adoration eucharistique et l'oraison, puisque sur la paroisse où je suis, on a l'adoration perpétuelle. Mais en fait, on a des enseignements qui sont plutôt liés avec les Saints du Carmel. Et comment c'était l'adoration était prise en compte dans le Carmel. Voilà. Donc le lien entre adoration eucharistique et oraison. Par le temps. C'est une question difficile parce qu'elle a trait au mode de présence. Et une fois, un prêtre d'ailleurs m'avait pris un peu au dépourvu devant des enfants, puisqu'un enfant avait demandé justement la même question que vous. Quelle est la différence entre l'adoration, l'adoration eucharistique et l'oraison ? Moi, j'avais été pris un peu de court. Et je n'avais pas encore étudié à cette époque-là les modes de présence. Et ça, en fait, c'est un mot clé. Et c'est indispensable de passer par là. Donc, je vous en ai parlé un peu en évoquant la présence d'immensité, hein, Dieu comme étant partout. Et vous avez aussi la présence de grâce par le baptême, la présence particulière à l'oraison et la présence eucharistique. Alors, quand vous rencontrez des personnes qui vous disent, lorsque vous êtes avec le Saint-Sacrement exposé, on ne fait pas oraison, j'arrive pas à comprendre ça, parce que dès lors que vous fermez les yeux, vous voyez, il y a ce double mode de présence, hein, à la fois la présence eucharistique et Dieu qui est en soi, hein, tout au fond de son cœur. Donc, souvenez-vous, ça vous a été dit plusieurs fois, lorsque Saint Curé d'Ars se retrouve fidèle dans la chapelle, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je le regarde et il me regarde. Alors que vous ayez les yeux ouverts sur la Sainte Eucharistie ou le tabernacle où il se trouve, ou que vous les fermiez pour les orienter en vous-même, où il siège sur le trône de votre cœur, eh bien, il est là. Donc c'est sous ce double rapport. Je vais juste ajouter. Par expérience, j'ai commencé moi par l'adoration eucharistique, mais en fait, je faisais déjà un petit peu oraison en entrant dans une église quand même, aussi au même moment, et je pense que je faisais oraison à l'adoration. C'est comme je l'ai découvert par la suite. Ce que j'ai pu voir quand même, c'est que souvent les gens sont un peu dissipés quand ils rentrent dans les églises. J'ai rarement vu des gens dissipés quand le Saint-Sacrement est exposé. Donc j'ai l'impression que quand même, le Seigneur se met à la portée des personnes et les attire à lui d'une manière très particulière, sans préparation aucune, dans l'adoration eucharistique. C'est ce que j'ai pu expérimenter. L'oraison, ce n'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que ça demande quand même certaines préparations, certaines dispositions. Tout le monde n'entre pas dans l'oraison de la même manière. Vous demandez à des personnes de rester en silence en oraison, qu'ils n'ont absolument jamais fait, elles vont le faire, mais il faut un certain temps pour que la personne puisse entrer dans le silence. Et l'adoration eucharistique, me semble-t-il, favorise cette entrée, mais en même temps, elle ne donne pas cette autonomie de la prière qu'on peut acquérir dans l'oraison. C'est-à-dire qu'avec l'oraison, on peut prier partout et en tout temps. Donc on prend plus conscience de cette présence particulière du Christ en nous. Présence par union d'amour, finalement. Hein. Et donc dans la présence
présence sacramentelle, elle a un caractère aussi plus, généralement, plus public, plus communautaire. Hein, donc c'est au niveau du sens, je vous disais que l'oraison est une prière d'église. C'est vrai que l'adoration eucharistique est, manifeste cette prière d'église de manière peut-être plus éclatante. Voilà. Mais je pense qu'il serait très dommageable d'opposer les deux. En tout cas, l'une n'empêche vraiment pas l'autre. Et beaucoup, beaucoup de gens qui font oraison régulièrement vont faire un temps d'adoration eucharistique. L'adoration est beaucoup plus portée vers le mystère de l'Eucharistie, hein, dans lequel le Christ se donne. Et l'oraison, c'est davantage une rencontre dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Il y a ça aussi dans l'adoration. Hein. On ne peut pas couper au couteau. Voilà. Mais c'est certain que l'adoration, il y a le côté de l'Eucharistie qui est primordial. Donc c'est rentrer dans le mystère de l'Eucharistie, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'oraison. Mais on ne peut pas les opposer, on ne peut pas... Alors dans les paroisses, surtout avec les manuels, aujourd'hui, on propose beaucoup l'adoration. J'espère qu'ils font des conférences et vous expliquent qu'est l'adoration. Nous, les carmes, notre vocation, c'est plutôt l'oraison. On essaie de vous apprendre à faire l'oraison. N'allons pas opposer oraison et adoration, mais vous sentez bien que c'est quand même... C'est pas la même mode de communication, la même forme de prière. Si ici dans la chapelle on a le corps du Père Hermann, Père Hermann qui a développé les adorations nocturnes à Montmartre. C'était un carme. Il a raison, mais il avait une passion pour l'adoration eucharistique aussi. Mais si c'est pas opposé, c'est complémentaire, tout à fait. Ça répond à votre question? Oui, non, mais c'est surtout que nous, on a des enseignements sur l'oraison. Sur l'adoration, vous voulez dire? Pour faire l'adoration. Et c'est ça, oui. Avec Emmanuel, il y a des conférences sur la... C'est les manuels. Non, c'est pas les manuels. Donc voilà, mais... oui, parce qu'il n'y a peut-être pas d'enseignement spécifique sur l'adoration, notre finalement, aussi, prêtre, aussi traditionnel. Il a mis Dieu pendant 20 ans. Mais c'est ça. Mais non, c'était plutôt pas en opposition, les liens qu'il y avait. Oui, c'est ça, oui. Donc on est formé à l'oraison, et puis en plus, on a des cartes qui sont venus faire les écoles d'oraison, mais en même temps, on a cette facilité. De l'exposition du Saint-Sacrement ou même devant un tabernacle, et que ça peut faciliter pour rentrer en oraison, et que justement on se trouve en fait en allant adorer à faire oraison. Mais parce qu'on a des enseignements qui vont avec, qui vont sur. Mais je voulais savoir comment c'était intégré dans le Carmel en fait. Le meilleur exemple qu'on a d'intégration de l'adoration, disons dans la prière et même dans la raison, c'était Hermann, qui a vécu ici, même au Brousset. Mais peut-être on gagnerait à approfondir ce qu'est l'adoration, voilà, en partant de l'Eucharistie. Parce que l'adoration de Saint-Sacrement ne s'est pas pratiquée tout de suite dans l'Église. Elle s'est pratiquée à partir du XVIIe siècle. Voilà. Il y a une raison à ça, etc. Donc il y a une histoire par rapport à ça. Mais c'est lié à l'Eucharistie très fortement. D'ailleurs, on n'expose pas le Saint-Sacrement comme ça, n'importe quand, que ce soit au moins un diacre qui l'expose, un prêtre. C'est quand même très, très, très lié à l'Eucharistie. Alors que ce n'est pas le cas pour l'oraison. Une forme de prière où on retrouve une autre sacramentalité, c'est plutôt davantage celle du baptême. On est marqué par la Sainte Trinité dans notre âme.
ce que vous disiez. Donc, les enseignements aujourd'hui sur l'adoration peuvent être quelquefois des enseignements qui sont destinés d'abord à l'oraison. Oui, c'est ça. J'ai vu la même chose sur la Lectio Divina, vous savez. J'ai lu tout un livre où on parle de la Lectio, des effets, etc., tout ça, et on aurait pu mettre l'oraison à la place, c'était exactement pareil. C'est le signe aussi que, finalement, dans la vie spirituelle, le moyen reste un moyen. Et ce qui compte quand même avant tout, c'est la relation. C'est la relation qui se met en place entre Dieu et nous, et finalement qui se sert de tous les moyens. C'est comme si, dans une relation amoureuse, vous parliez de l'avantage du téléphone par rapport au mail, ou par rapport au courrier, ou au SMS, ou à la rencontre réelle, qui suppose de se déplacer en voiture, et de trouver un moyen ou un temps pour se rencontrer, et combien de temps on le fait. Vous voyez, tout ça, c'est toute une histoire de moyens sur lesquels on peut discuter. L'important, c'est quand même d'aimer une personne. Et donc, c'est quand même l'amour de Dieu qui, là-dedans, doit garder la première place. Et le reste, je pense qu'il faut aussi relativiser tout ce qui est enseignement autour de tout ça, par rapport à ça. Donc, tout prendre, tout est bon, hein, parce que c'est ce qui nous ouvre le cœur peu à peu. Et ça explique qu'il n'y a pas d'enseignement spécifique, en effet, sur l'adoration eucharistique, qui soit vraiment traditionnel depuis les origines, puisque en effet ça ne se faisait pas. Hein, les chartreux ne font pas d'adoration. Eux, ils n'ont rien changé. Hein, dans leur... Il n'y a pas d'adoration eucharistique chez eux. Donc ils font oraison. Ils récitent leur prière. Ils font oraison, mais une demi-heure par jour, pas plus. Oui. Ouais, c'est pas leur spiritualité. Non, ils ont des offices, ils doublent chaque office avec un office de la Vierge, ils sont occupés tout le temps. C'est très différent. Hein. J'ai vu les trappistes qui sont à côté de chez moi en Savoie. L'oraison ou l'adoration, c'est le minimum. Hein. Un petit peu chaque jour pour l'oraison. Mais ils font 2 heures de Lectio Divina. Vous voyez, mais c'est ce qui remplace. Et les chartreux, la grande chartreuse, ils sont en silence et donc en oraison, j'imagine. Chacun est dans sa cellule, il le fait comme il veut. Hein. Oui. On leur impose rien, ils sont dans leur cellule. Leur spiritualité, c'est ça, c'est de rester seuls.